Et c'est reparti avec le groupe numéro 25, Les Inimitables. Ils nous viennent de Lini, avec Madi Makan, Mamadou, Siriki, Safiatou, Abou Kader, Mamadou, Aliou et Chahina. Ils préparent un CAP d'agents de propreté et d'hygiène, sont accompagnés par Audrey Girard et mis en scène par Raphaël Magnan. Le titre de leur scénette, Dans l'ombre du monde. Et on n'hésite pas à les encourager bien fort, le Marigny. Je me souviens être parti, tout quitter. Tout laisser, ne pas regarder en arrière. Je me souviens avoir lutté pour chercher ailleurs, trouver le mieux, construire et vivre. Que j'ai trouvé, ce n'était pas le rêve, mais j'ai ma place. J'ai un avenir et une vie. Et si, laver le sol de bureau, jeter le décès de votre, laver les toilettes, ce n'est pas ce dont on rêve quand on est enfant. C'est indispensable au quotidien pour le bien-être de chacun. Oh, attends. Toi, tu fais le ménage, toi? Le ménage, c'est à la maison. Nous sommes des agents de propreté. Bah, c'est un boulot de fille, ça. Hey! Ah bon, question simple. Qui c'est qui fait le ménage chez toi? Bah, ma femme. Bah, c'est peut-être ça, le problème. Je me souviens avoir été formé. J'ai appris un métier, des compétences. Je connais les produits, je connais les machines. J'ai appris les gestes, les méthodes. J'ai travaillé dur. Enfin, j'ai eu mon diplôme. Oh, attends. Laver et nettoyer, c'est quand même pas compliqué. N'importe qui peut le faire. Hey! Hey! Tu sais comment marcher une auto-laveur? Non! Tu connais la concentration des produits à utiliser? Bah non! Tu peux nettoyer la salle entière en moins d'une heure? Bah, je sais pas. Question, Sam, tu sais comment passer un aspirateur chez toi? Bah, c'est ma femme qui le fait. Bah, c'est peut-être ça le problème. Je me souviens m'être levé tôt avant qu'autre n'arrive au travail. Laver, aspirer. Nettoyer. Lustrer. Et que chacun aille un lieu de travail bien propre et agréable. Je me souviens des horaires décalés. Des missions supplémentaires, de la difficulté parfois. Je me souviens avoir entendu des mots durs, des mots blessants, que c'est un travail de fainéance. C'est pour les nazes. C'est pour les gens qui ne sont pas allés à l'école ou pour les immigrés. Je me souviens aussi du regard des autres sur moi, parfois absent. Parfois méprisant. Vous saviez, parfois même un sourire pourrait suffire, ou un merci. Oh, attends. Vous voulez qu'on vous dise merci? Mais bon, on vous voit jamais bosser. Et je suis pas sûr si vous bossez vraiment. Hey! Bah écoute, on va arrêter de laver les toilettes de ta boîte. Et la salle de pause et le couloir. Et comme ça, tu nous diras merci. Question, homme, tu dis merci à ta femme quand elle fait le ménage chez toi? Bah, c'est son boulot, quoi, c'est normal. Bah, c'est peut-être ça le problème. Aujourd'hui, je sais que je suis utile. Peut-être même plus que d'autres. Je sais que mon métier est essentiel pour le confort. Pour la santé. Dans les hôpitaux et dans les écoles. Les entreprises. Les maisons de retraite, les bureaux. Les supermarchés. Pour que chaque entreprise soit agréable. Pour que chacun soit heureux d'aller travailler. Si le sol brille, c'est que nous sommes venus. Si les poubelles sont vides, c'est que nous sommes venus. Si il y a des papiers toilettes, c'est que nous sommes venus. Si vous vous sentez bien en entreprise, c'est en partie grâce à nous, les travailleurs de l'ombre. Les invisibles. Et si vous ne nous remarquez pas, c'est que notre travail est bien fait. Ouais, enfin bon, moi je dis que c'est pas un vrai boulot. Tu peux nous dire ça en face? Ah, quoi? Non, mais en fait. T'as perdu tes couilles, c'est ça que c'est plus enragé? Bah, il faudra demander à ma femme. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Les agents d'entretien, tu les respectes. On t'est passé un savon. Laisse-le.